En plein cœur de Bagdad, un bien étrange magasin. Des vautours, un lionceau de 6 mois, des oursons. Pour quelques milliers de dollars, il est possible d'acquérir des animaux exotiques. Mais pour ceux qui n'ont pas un sou, pas de problème. Le gérant ouvre les portes de son animalerie à tous les badauds, gratuitement. Je remercie Dieu qu'il y ait cette animalerie. Vous ne trouvez rien de tel à travers la ville. Et c'est un grand plaisir pour moi de voir les enfants aussi heureux d'observer les animaux. C'est très bien que les enfants puissent voir ces animaux autrement que dans les livres. Saba, le propriétaire, est un ancien soldat. Il y a 20 ans, il a décidé de se lancer dans le commerce d'animaux. On ne sait pas exactement d'où viennent ces bêtes, mais en 20 ans, il a vendu une dizaine de lions, environ 6000 dollars la bête. Ses clients, principalement des zoos et de rares collectionneurs fortunés. Bien sûr, tout le monde ne voit pas cela d'un bon œil. C'est mon plaisir d'élever des animaux depuis que je suis tout petit, j'aime ça. Il y a des gens qui me disent que je ne devrais pas acheter ces ours quand ils sont encore bébés et qu'ils n'ont pas de dents. Ils pensent que je vais les laisser mourir, mais moi je leur réponds que je sais les élever. Chaque mois, Saba dépense 2500 dollars pour nourrir et soigner ses bêtes. C'est le prix à payer pour continuer à impressionner les passants. Il y a vraiment de très beaux animaux, surtout le crocodile. C'est la première fois de ma vie que j'en vois un. Il faut dire que les visiteurs sont plus nombreux chaque jour depuis qu'un calme relatif s'est installé à Bagdad. Et comme le zoo public de la ville est payant, Saba risque de voir sa ménagerie envahie d'êtres humains.